Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. Alors aujourd'hui la quête c'était jouer 25 terrains, donc j'ai pu jouer mon deck blanc. Donc deck blanc, mono blanc, ouais. Et j'ai fait mes 15 victoires avec, en classement, pour changer. Sinon j'ai 800 gemmes, j'ai 4100 en couronne, ce qui me permet de faire cette émission. J'ai pas de joker, mais le coffre est ouvert à 22,9%. J'ai 4 jetons de draft et 3 jetons lancez-vous. Au niveau de la maîtrise, on est à 100. Au niveau de la boutique, on va aller voir tout de suite. On va aller chercher évidemment nos boosters à manquer. Sachant que c'est peut-être la dernière fois où vous la verrez, cette émission, avant un petit moment, puisque peut-être que par la suite je vais commencer à thésauriser les couronnes d'or pour comment dire, pour la nouvelle collection. Alors, Kaladesh a manqué. On en prend 3. Hop. Cool. C'est ok, on récupère évidemment, sinon on les aurait pas payés, on n'aurait pas été les chercher. Hop. Alors, on devrait récupérer un joker rare. On va voir. Allez, on y va. Premier booster. Ah, mythique. On a une mythique. Alors, est-ce que c'est un joker mythique? Non. Alors, on a réussi à avoir un courant et un inhabituel. Ouais, d'accord, ils sont ici. Ok. Et on est à 22,9 au niveau du coffre. Donc, destin funeste, carte noire qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Hein. Alors, il y a toujours ce problème là qu'ils mettent en première alors qu'en fait, on a déjà vu les cartes. Donc voilà, je vous la présente pas, hein, je vous la montre, mais je ne la présente pas, ça sert à rien. Destin funeste, c'est une carte noire qui arrive au troisième tour. Allez, on continue avec Vengeresse de Ketra. Ça par contre, c'est une carte, nouvelle carte blanche qui arrive au deuxième round, créature humain et guerrier. Vous pouvez surmener la Vengeresse de Ketra au moment où elle attaque, quand elle fait ainsi, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient lui être infligées ce tour-ci. 3 en force et 1 en défense. Petite phrase. La flèche d'Oketra est ma lance, son amour mon bouclier. Ok, on continue avec Désert de la Loyale. Alors, c'est un terrain désert qu'on connaît hein, puisque on l'a déjà eu. Ok, oh, c'est cool, ça nous fait des terrains en plus. En plus, désert, il y a une synergie avec. Je sais plus quelle carte a besoin d'un terrain désert pour dire d'être joué. Mais bon, ok, c'est plutôt bien. Pas de petite phrase. Évidemment, le joker inhabituel, le joker courant. Ce qui tombe bien parce que ça, je vais en avoir besoin d'au moins 7. Lame rampante, carte bleue qui arrive au premier round et qu'on connaît hein, malgré ce qui est marqué en première, on connaît très bien cette carte, donc je ne la présente pas. Voyante du dernier lendemain, carte bleue qui arrive au troisième round, c'est une créature naga éclair qu'on connaît hein. Donc voilà. Ok, bah écoutez, ça aurait été très rapide pour ce premier booster. On va aller voir là la mythique. Neeb l'Éternel. Donc Neeb l'Éternel, carte rouge qui arrive au cinquième round. C'est une créature légendaire, zombie et minotaure. Et guerrier. Elle a affliction niveau 3. Donc affliction, c'est quoi? A chaque fois que cette créature devient bloquée, le joueur défenseur perd 3 points de vie. D'accord. Ok. Donc c'est du passage en force en fait.
Au début de votre deuxième phase principale, ajoutez un mana rouge pour chaque un point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. D'accord. Il a 4 en force et 6 en défense. D'accord. Petite phrase. Voilà à quoi ressemble la gloire, Nicole Bolas. Ok, bah écoutez, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Ok, bah c'est cool. Ils ont un problème là avec leur bouton là. Bon bah écoutez, pour premier booster, on n'est pas déçu. On va sur le deuxième. Et hop! Un joker rare, ça nous fait deux courants, un inhabituel et un rare. Ça se prend. Et donc on est à une ouverture de coffre de 22-9 tout le temps. Alors ici, championne au fléau solaire, carte blanche qui arrive au troisième round. C'est une créature humaine et sorcier. Quand la championne au fléau solaire arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Elle a éternalisation. Carte blanche qui arrive au quatrième round, défaussez-vous d'une carte. Elle a 2 en force et 3 en défense. Pas de petite phrase. Ensuite, Balafreur d'os en maraude, carte noire qu'on connaît, hein, carte noire qui arrive au troisième round. Donc voilà. Ok, bah écoutez. Vizir impitoyable, carte noire qu'on connaît aussi et qui arrive au quatrième round. Bon, bah écoutez, rien de plus à dire. Mais des bonnes cartes quand même. Hein. Par la force, carte rouge qui arrive au-delà de la deuxième du deuxième round. Donc c'est une carte qu'on connaît. Hein. Donc voilà, je vous montre, mais en gros, il n'y a pas besoin de plus. On continue avec un joker courant, évidemment, alors que j'ai besoin d'inhabituel. Donc ça fait combien là? Ça fait deux courants, un inhabituel, un rare. D'accord. On continue avec coup perforant, carte rouge qui arrive au quatrième round, c'est un sort de rituel. Le coup perforant inflige 5 blessures à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Petite phrase. Ni le faux dieu Pharaon, ni ces insectes ne décideront de notre sort. Ça mute. Ancien adepte de la moisson Tar. Sentinelle de l'Ecma, carte bleue qu'on connaît, qui arrive au troisième round. Donc voilà. Pas besoin de vous la présenter, on l'a déjà vu hein, dans des sessions précédentes. Et on va sur la deuxième grosse carte de la session. Mirage Miroir, carte incolore qui arrive au troisième round. C'est un artefact pour 2 mana. Le Mirage Miroir devient une copie de l'artefact ciblé, de la créature ciblée, de l'enchantement ciblé ou du terrain ciblé jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et on peut le rejouer donc, on peut copier autre chose le tour d'après en fait. Ah mais c'est cool ça. Et ça peut être aussi chez l'adversaire, si j'ai bien compris. Elle est superbe, cette carte. La plupart des miroirs montrent votre reflet. D'autres montrent votre potentiel. Ok. Bah écoutez, très très bonne carte. Je prends. Ah ouais. C'est cool ça. Dernier booster. Allez, on y va. Ah, mythique. Alors, est-ce que c'est un joker mythique? Non. Donc, on a encore une mythique là qui va nous tomber dans les pattes.
Donc on commence avec Portail vers l'au-delà. Carte incolore qui arrive au troisième round. C'est un artefact. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez ensuite piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Pour 2 manas et son d'engagement, sacrifiez le Portail de l'au-delà. Cherchez dans votre cimetière, votre main et ou votre bibliothèque, une carte appelée Don de Dieu Pharaon, et mettez-la sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez, n'activez que s'il y a 6 cartes de créatures dans votre cimetière. À tous les coups, oui, c'est ça, cimetière. Pas de petite phrase. On continue avec Sacré Sceau, carte blanche qui arrive au deuxième round. Et c'est un sort d'éphémère, une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Petite phrase, je sens la présence du dieu pharaon dans le second soleil et je m'élève porté par ses rayons. Ok, on continue avec Dromadaire solitaire, carte blanche qui arrive au troisième round, créature chameau. Le dromadaire solitaire a le lien de vie. Tant que vous contrôlez un désert ou qu'il y a une carte désert dans votre cimetière. Il a 3 en force et 2 en défense. Petite phrase. Le désert est inhospitalier, pas inhabitable. Ok, donc c'était cette carte-là qui a besoin du désert. Ok. On continue avec Vizir de la Tempête de Distorsion, carte d'Ymir, donc magie bleue et noire. C'est une carte qu'on connaît, on l'a déjà vue. Donc je vous laisse la regarder, mais je ne vous la présenterai pas plus. Sinon, Ritualiste de l'Oasis, ça c'est une carte verte qu'on connaît et qui arrive au quatrième round. Donc voilà. Ok, ok. Bon, bah c'est plutôt bien. Vengeresse de Ketra, carte blanche qu'on vient juste de voir, qui arrive au deuxième round. Donc voilà, je ne vous la présente pas plus que ça. On continue avec Momie pourrissante, carte noire qu'on connaît bien. Donc voilà. Ok, bah écoutez. Encore une belle session. Alors, ça c'est quoi? Razaket au sang immonde. Razaket au son immonde, donc carte noire qui arrive au 8ème round. Oh, c'est injouable. Hein. Créature légendaire, démon. Elle est équipée du vol et du piétinement. Payez 2 points de vie, sacrifiez une autre créature, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Oh, elle vaut pas le coup. Petite phrase. Liliana insista pour se rendre sur un monkey afin d'affronter l'un des 2 derniers démons auxquels elle était liée. D'accord. Il fait partie des démons qui ont donné ses pouvoirs à Liliana, avec qui elle a fait un pacte. Razaket. Punaise. 8 pour une 8-8. Il est plus qu'équilibré, hein, mais le problème, c'est qu'il va vous demander de sacrifier. Il va vous demander de mettre en main plutôt que de mettre sur le board. Ouf, c'est pas... Sincèrement, enfin, il y a mieux, quoi. Et puis, en plus, il arrive tardivement. 8ème round, faut déjà réussir à le sortir. Hein. Donc, à moins que vous rampiez, mais... si vous rampez, c'est au détriment des créatures que vous posez sur le board. Donc, ok. Allez, bah écoutez, bonne session encore, hein. Une très très bonne session. Donc on va sur le profil, donc on est au niveau 2 platines, au niveau du ladder, et 100, il reste 7 jours, donc je pense que par la suite, je sais pas, soit je ferai encore une émission, soit je vais voir comment évoluent les pièces d'or, mais si je vois que ça évolue bien, je ferai peut-être encore une émission, et si je vois que ça évolue pas trop, automatiquement ce que je ferai, c'est que je commencerai à thésauriser pour, dès la sortie de la nouvelle extension, commencer à vous présenter les nouveaux decks. On va aller voir au niveau d'un monkey où on en est. Tac 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 tac, alors... Un monkey, un monkey, un monkey...
On est à 47%. 47%. On a un tiers des mythiques. On a... allez. Un sixième. On va dire. Ouais. Un sixième des rares. On a la moitié pratiquement des inhabituels. Et on a... wow. 70%, ouais. 80% même. 80% des courants. Ok. Bah écoutez, on va pas se plaindre. Hein. C'est plutôt cool. Ça va, ça va. Sinon, au niveau... on est toujours à 97 parce qu'il faut que j'arrive à avoir des mythiques, des jokers mythiques et des jokers rares pour pouvoir les finir. Hein. Il me reste plus que ça à avoir. Mais il me faut pas mal de choses. Or, le problème, c'est que les mythiques et les rares, là, j'en ai besoin pour essayer d'améliorer des jokers secondaires. Enfin, des decks, d'autres decks, en fait. Sinon, on est à 94 au niveau de chasse de minuit. Et Noce Écarlate, on est à 96. Il me reste encore 8 cartes inhabituelles. Et après, ce sera pareil que pour Noce pour Forgotten Realms, Royaume oublié. Ce sera des mythiques et des rares à récupérer, quoi. Pour finir, pour solder les saisons. Donc je m'attaquerai à chasse de minuit en courant et en rare. Ok. Bon ben voilà, on a fait le tour. Hein. Allez. Il est temps de se laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre vie. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez bien de leur présence. Allez, bye bye tout le monde.